Mais il se passe que Laurent Ournac a décidé de se lancer dans la réalisation. Voilà. Donc on est super content pour lui, bien sûr. La chaîne et les producteurs se sont dit, on va essayer de faire un événement dans l'événement. C'est-à-dire qu'on va demander à tous les animateurs emblématiques de la chaîne de venir chaque semaine co-animer Danse avec les Stars. Donc il y en aura 10 qui vont se succéder à mes côtés. Il y aura 10 émissions différentes puisque 10 personnalités radicalement différentes. Donc ça va être, si vous voulez, une page blanche pour moi à chaque fois puisqu'il va falloir que je me réhabitue en peu de temps à une manière d'animer ou une manière d'être, sachant qu'on a des personnalités mais comme ça. On disait quoi ? On me demandait ce que je pensais de toi, je disais que je te connaissais pas. Vas-y, je t'écoute. Je te connaissais pas, mais que je te trouvais légitime, crédible, que je t'avais vu danser avec Fauve l'année dernière, et dans Saturday Night Fever, et que tu vas apporter ton expertise et un œil nouveau. Ça te va ? On pourrait pas demander mieux, c'est un très bon début. Et voilà, tu vois. Merci. On va apprendre à se connaître. Voilà, avec plaisir. Tu vois ? Vincent Cerutti a envie de danser, il a envie, il connaît le programme, il a de l'affection pour le programme, et il s'est dit, puisque je les ai vus transpirer pendant plusieurs saisons, ça va être à moi de transpirer un peu et je trouve que c'est un clin d'œil vachement sympa et très courageux en plus, parce qu'il connaît la difficulté du programme. J'aurais peut-être dans mon cœur, même si moi je suis la Suisse, vous savez, moi je les aime tous pareil, mais dans mon cœur, oui, je pense que j'aurais un petit truc en plus pour Vincent parce que ça a été un super compagnon pendant tant d'années sur Danse avec les Stars et je suis admirative du fait qu'il se lance dans l'aventure. Donc ouais, j'aurais un peu dans mon cœur. C'est bien, moi je trouve que ça challenge, moi je trouve ça plutôt bien. Ils vont se chercher, ils vont répéter chacun de leur côté, ça va être assez rigolo. Peut-être que le soir à la maison ils feront quelques pas de danse, on ne sait pas. Mais non, je trouve ça ajoute un petit piment, un petit truc chouette. Hein. On pose souvent la question, je dis s'il y avait une soirée unique, un show unique où on s'entraîne pour une émission, pourquoi pas ? En revanche sur la durée, je crois que c'est, moi je pense que c'est trop difficile. Non. Une autre question ? Ha ha.